Salut à tous, c'est Nagui. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, le 32e de Dead Space. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite. Je suis sûr qu'on va rentrer dans le feu de l'action dans maintenant. 12, bah ok, c'est parfait. Une grande salle comme ça doit certainement être remplie de monstres. Surtout avec du sang par terre. Je me fais plus trop d'illusions. Des dents de trancheur, on prend. Un vaisseau. Ah ben, je dois justement être dedans, mais non. Non, non, non. On va d'abord un peu voir ce qu'il y a autour. Qu'y a-t-il? Des dents de trancheur, je prends. Des munitions, ça m'énerve, mais je prends. Dents de trancheur, je prends également. Ça, c'est quoi? Carte navette requise, je l'ai pas. Tant pis, attendez. C'est un vaisseau qu'il y a là. Je dis pas de conneries. Donc, en logique, avec ça, je peux me tirer. J'abandonne tous les idiots qu'il y a ici, plus l'idiote, et je pars. Et ben voilà. Je viens trouver la solution à la fin du jeu. C'est le dernier épisode, les amis. Il aurait été court ce dernier épisode. Un kit de soins max mis comme ça, oh, ça sent mauvais. Non! Oh, saloperie de merde. Non, tant pis. Bon, on va être dedans. Ça, je suis sûr que c'est une sorte de vaisseau. Oui, il y a des sièges et tout. C'est fermé. Carte navette. Je l'utilise. Et t'attends pourquoi? Pour deviner qu'il y a des monstres à l'extérieur qui m'attendent? Ah, voilà, je dois aller là. Ça me protégera des monstres, il y en a de l'autre côté. Non! Ah, oh, recommence. Et je vais aller dedans, hein. Non, non, non! Hein? Double non! Ah, putain. Tu t'es trompé de bouton. Sérieusement, je vis. Calme, Nagui, calme. C'est pas comme si c'était complètement merdique avec le chien qui hurle. Et le monstre qui se stase pas. C'est vide, pute. Oui, je bois, mais ma canette est vide, je suis triste, j'ai envie de pleurer. Ah, sérieusement, mais j'ai pas de chance, j'ai pas de chance. Je suis désespéré, vraiment. Faut que j'arrête de boire du Red Bull, ça me stresse et ça m'énerve. Le mec est à moitié en crise sur son jeu alors qu'il vient de commencer. Non, faut savoir que l'épisode d'avant était tourné quand même juste à la suite. Donc, c'est vrai que là, je dois bien avoir 5 ou 6 épisodes d'avance sur vous. Oh mon dieu. Oui, hein, je tourne tous mes épisodes d'avance pour des raisons pratiques. Je suppose que vous vous en doutez, c'est les vacances, donc... Ah, je reprends ici. Oh putain. Donc, je disais, c'est les vacances, donc faut bien que j'en profite un minimum. Ah non, en fait, je fais tout le temps comme ça, que c'est la vacance ou pas, c'est juste que comme je tourne tout le temps, vu que maintenant j'ai trois let's play qui sont en cours, plus des vidéos Minecraft qui viennent de temps en temps et ce genre de choses, bah, faut bien que je m'y mette un minimum. Donc quand je tourne pas, je suis en montage, et quand je suis pas en montage, bah, je suis en train de regarder des jeux pour voir sur quel jeu je pourrais vous faire un test ou quelque chose. Comme ça plutôt, pas comme ça. Donc voilà, je suis tout le temps occupé pour la chaîne, à trouver des choses, à essayer de trouver quelque chose pour de nouvelles intros, par exemple les intros de Dead Space, Tomb Raider et Zelda qui sont nouvelles, hein, si vous l'aviez pas remarqué, c'est moi qui les ai faites. Même si j'utilise des images d'autres vidéos, même Dead Space, la deuxième, est juste de moi.
Et j'essaie vraiment de personnaliser le contenu et de faire quelque chose d'un peu nouveau, même si ce que j'ai fait sur les intros ressemble un peu à ce que Siphano faisait. Et oui, je le sais. Et c'est juste que ça m'a bien plu, vraiment. J'avais déjà envie de faire quelque chose comme ça, car j'aime pas les intros toujours les mêmes, même si j'en cherche une plus globale pour les tests de jeu. Et merde, en fait, exprès, je viens d'utiliser ma cause de son. Essai des moteurs de la navette. Donc, je vais jouer. Non, ça marche pas. Putain, tu me sautes carrément dessus tout de suite comme ça. Ok, là c'est bon. J'en profite pour te découper au moins les jambes. Que tu me suives pas tout de suite. Voilà. Maintenant, je change d'arme. Putain, c'est rien, tu me suivras pas. Je dois faire quoi ici? Ouais, buter des monstres, ça, je m'en doute. Mais lesquels? Dans le trancheur, c'est gentil de m'en donner, j'en ai justement besoin. Les monstres, si vous venez pas, je peux pas savoir où vous êtes. C'est bien, je vais me mettre ici, j'aurai une vue sur plus ou moins tout. Tel quel. Oui, mais toi, t'es le grand méchant, pas beau. J'ai plus de stase, ok. Faut pas oublier que lui, c'est limite, il me hausse, hein. Est-ce que j'ai une recharge de stase? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Wow, hé! Les gars, calme, calme! Ah, mais c'est toujours toi! Oui, c'est vrai que tu le régénères, toi. Je vois même pas pourquoi j'essaye de te combattre. Sûrement pour te garantir un minimum. Je recharge. Le temps, ça, est-ce que j'ai du stars? Non! Merde. Non, casse-toi. Je l'accepte avec plaisir. Non, casse-toi. Est-ce que c'est très con de se mettre là-dedans? Très con. C'est que... Ah putain, cours. Il y a de la vie quelque part? Il y a pas de vie. Je suis foutu. Eh mais découpe-le. T'as pas pris la vie? Si, t'as pris la vie, mais alors soigne-moi. Pourquoi j'ai l'impression qu'il est encore plus rapide quand il est comme ça que quand... Ce qui est illogique en fait. Et t'as pas envie de me donner de la vie, même si t'es immortel. Non, mais là, je suis vraiment dans la merde. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je crois que je dois te tuer, toi. Ah, il m'énerve ce gobelet. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose, toi.
kit de soins. Merci. Je le sens. Je sens ma mort arriver. Dans 2 ou 3 secondes. Voilà, c'est quoi? C'est lequel? Ah, t'es l'invincible. Putain, mais sérieusement, les gars, faites un effort pour que ça se termine. Ah, attendez, je dois peut-être me casser, en fait. J'ai pas fini ce que je devais faire là-dedans. Vous êtes sérieux? Les gars, sérieux. Recharge, recharge. J'ai de la stase, j'ai de la stase. Non. Tu mets des coupes là? Ok, ça, qu'est-ce que je dois faire avec? Oh putain, s'il vous plaît, quoi. Ce jeu n'a plus aucun sens, j'arrive pas à comprendre. Si je mets sur pause, ça coupe le jeu. Ah non, là j'ai besoin de mes objectifs, mais si je vais dans mes objectifs, je suis mort. Bon, tous les ennemis sont détruits, c'est pas le moment de faire le con, mais pas du tout. Il va venir de là en logique, s'il n'est pas de l'autre part. T'es de plus en plus rapide. Voilà, ça va le réduire vraiment fort, je pense. Donc, maintenant, je dois... Essai des moteurs de la navette. Je dois faire ça. Ben voilà. J'ai compris. Tu vas voir, on va s'amuser, nous deux. Ça va être chaud. J'ai enfin compris ce que je dois faire, c'est jouissif. Si c'est bien ce que je pense, ça va vraiment être jouissif. Par contre, j'ai presque plus de stase, faut que je gère. Wop! Depuis quand t'es si rapide? Non! Je t'en prie, non, fais pas ça. Il l'a fait. Et la mort fatality, t'es obligé? Et je sais pas, là, t'es en train de me découper comme un sushi. Putain, j'avais enfin compris ce que je devais faire. Bah, je pense. On va éviter tous les soucis quand même, c'est bien. On va faire ça, on va faire ce que je pense devoir faire. Mais qu'est-ce que je dois faire? Il y a trop de monstres déjà, ça c'est problématique. Et pour moi il était plus lent que ça en fait, je sais pas pourquoi d'un coup j'ai été surpris par sa vitesse, je pensais qu'il était extrêmement lent, et là il est extrêmement rapide. Comment je vais faire ça? Pour ceux qui n'ont pas compris, ce que je vais faire est très simple, hein, mais je vais pas vous le dire, car je vous laisse
Devinez vous-même, putain, je dois recommencer d'ici. Et je vais la jouer intelligent. Ce mot est tellement prononcé bizarrement quand c'est moi qui le dis. Voilà, déjà, je me remets toute ma vie. Avant de commencer. Car j'ai un kit de soins de max. Qui m'attend bien au chaud. Ensuite. J'ai des crédits. Là, je préférais franchement des balles. Je vais avoir besoin de mes armes, mais vraiment. On va commencer par celle-là. Car elle fait quand même pas mal de dégâts et elle peut être utile, mais le trancheur me sera plus utile contre d'autres formes de monstres, les monstres qui courent très rapidement. Mais bon, donc si maintenant je me trompe pas. Elle est là, en fait, c'est une très mauvaise idée. Car le monstre viendra que j'y aille ou que j'y aille pas. Ça, j'en suis sûr. Et dans le doute. Vous êtes sérieux? Essai des moteurs de la navette. Je préfère sortir. Je peux pas. 2 minutes. Voilà, je te laisse là 30 secondes, mon cher, tu me rejoindras dehors avec tes petits copains qui courent très vite. Voilà, comme je m'y attendais, ils sont là. Putain! Ils sont trop rapides pour moi. Non, mais allez, putain. Je panique trop, je panique trop. C'est lequel, lui? Putain, faut que j'apprenne à jouer ou quoi? Il faut que j'arrête de paniquer, que j'appuie partout sans raison. Pourquoi je joue en normal? Pourquoi je joue pas en facile? Bon, je réfléchis, j'essaie vraiment de trouver un moyen de m'en sortir dans cette merde sans nom. Déjà, si je tuais l'ennemi invincible, tout de suite, ce serait possible. Et oui, ce que je viens de dire n'a aucun sens. Tuer un ennemi invincible est impossible. Mais, vu que tantôt j'ai tué tous les autres ennemis sauf lui, il faut le tuer, ou du moins penser le tuer, ou essayer, un minimum. Pour ça, heureusement que j'ai une idée. Un peu comme on avait dû essayer de le tuer avec le froid, si vous vous souvenez. Je crois qu'ici, il faut essayer de le tuer, mais avec le chaud. Et qu'est-ce qui est plus chaud que deux putains de réacteurs soniques de merde, soniques ou je sais pas à quoi ça marche. Mais voilà. Le souci, c'est que j'y arrive pas. Et que c'est comme ça commence à m'énerver sérieusement. Mais vraiment, c'est le genre de truc qui m'énerve. Je comprends pas pourquoi j'y arrive pas. Et pourquoi je stresse autant. Donc je m'en veux à moi-même, en fait. Ce qui est vraiment très con. Ah oui, ils viennent de là aussi. Comment je vais faire pour m'en sortir? Non. On sait jamais ce qu'il y a dedans. Bon, maintenant, je vais essayer de mettre au point ma dernière technique. Je crois que je vais utiliser cette arme-là, c'est le plus intelligent. En route.
Essai des moteurs de la navette. Sérieux? Putain, il m'a déjà eu un coup. C'est un coup de trop pour moi. Ok. C'est bon. Je me grouille. Dites-moi qu'il est toujours là. Essai des moteurs de la navette. Ça a marché? Non. Ça a pas pu marcher. Ça marche? Ouf. Oui, ça va marcher. Nous pouvons encore y arriver. Nous devons détacher la navette pour décoller. Le point de contrôle, vite! Il va falloir que vous guidiez la procédure de départ pendant que j'allume les moteurs. Et nous ne ferons plus qu'un. Allez! J'amène la navette au pont de lancement où le monolithe est stocké. Et nous ne ferons plus qu'un. Et non, mais j'ai pas confiance, hein. Il va m'arnaquer. Blocage navette désactivé. Il va m'arnaquer. Je me dirige vers le pont. Allez-y, nous pourrons charger le monolithe. Oui, Amelia. Oui, on rentre bientôt. Je ne sais pas si ce can est cinglé ou non, mais on a besoin de cette navette. Fais comme si tu le croyais. Pour l'instant. Les gars, vous vous rendez compte qu'on aurait pu partir à deux, enfin, la gare plutôt, qui aurait eu moins de soucis tout de suite. Passe au garder. Bon, j'ai au moins compris la solution. Donc finalement, c'est pas le mec invincible, le boss final, vu qu'il est mort. Oui, oui, il est mort. Il se régénérait, mais là, bah... Il a pas fait comme le phénix, j'ai envie de dire, il est parti ensemble, mais il n'en est pas, comment on dit, putain, c'était comme pour les selfies la dernière fois. Votre heure est venue, aucune raison d'avoir peur, aucune raison de combattre, beaucoup nous ont déjà quittés, et l'heure a sonné pour nous d'embarquer vers l'infini, vers l'immortel. Et de laisser le destin faire son œuvre. Rejoignez-moi et revêtez l'apparence de Dieu. T'es con? Le gars vient de se suicider. Oh non. Je suis en train de penser à quelque chose qui va pas vous paraître con. C'est une théorie qui vient de naître dans mon esprit. Si, déjà, on se transforme en nécromorphe sans le vouloir. Ben, il est là, en fait. Putain, il est là. Donc, au final, ma théorie ne va peut-être même pas... Connard, c'est toi, hein. Tant pis, j'ai pas eu le temps de faire ma théorie et ma théorie est complètement naze. Donc, on va quand même la dire et on peut rien prendre de son cadavre. Enfin, ça me dégoûte. Je pensais que si on se transformait en nécromorphe, car on le désirait, on le voulait, on le faisait exprès, comme lui vient de le faire, est-ce que ça ne faisait pas une sorte de nécromorphe surpuissant? Car le cœur et l'esprit étaient en quelque sorte conscients de ça et le voulaient. Alors que les autres ne veulent pas, pour eux c'est une transformation, ils deviennent des monstres sans le vouloir, tandis que lui l'aurait voulu et ça l'aurait rendu plus puissant. Eh ben non.
Et on vient de terminer l'épisode 10 et nous arrivons à l'épisode 11. Je viens de sauvegarder, mais oui. Donc on va se laisser juste après ça. Et on approche vraiment de la fin du jeu. Je le sens bien. Là, je le sens vraiment. La fin est là. Dernier espoir. Que va-t-il se passer? Même moi, j'en sais rien. Je suis en train d'imaginer tellement de choses sur la fin du jeu que ça en devient confus dans mon esprit. Que va-t-il se passer maintenant? Eh ben, vous serez en regardant les prochains épisodes. Et ouais. Utiliser le système traceur, ça j'utilise, c'est le seul truc que je pense à utiliser régulièrement. Sinon, le TV alternatif, j'utilise rarement, je n'ai presque jamais utilisé sur le, avec le, les découpeurs. Tout simplement car je n'aime pas cette arme, je n'aime pas beaucoup les armes sur ce jeu, c'est vrai. J'ai horreur de ces armes et je sais pas pourquoi. À part les trois armes que j'utilise, encore il y en a une que c'est pour en avoir une troisième et une de corps à corps. Que j'utilise, mais sinon. Monsieur Clark, je m'approche du hangar des vaisseaux. Il faut atteindre la zone de chargement. Le monolithe, il est stocké là-bas. Vous allez voir un élévateur qui vous permettra de déplacer le monolithe vers le hangar. Pitié, vous devez m'aider à le faire. C'est le seul moyen. Plan. Je ferai dans le prochain épisode en fait. Vu que je viens de sauvegarder ici, que j'ai quitté le jeu, je suis con. Donc voilà, on se laisse ici, on va enfin voir ce monolithe qui est, si ça tombe juste derrière cette porte. Donc voilà, écoutez, moi je vous laisse ici, j'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, liker et partager, vous pouvez aussi vous abonner pour voir toutes les autres vidéos, et toutes les autres vidéos que je fais, parce que je ne fais pas que du Dead Space. Moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et une bonne semaine, c'était Nagui, pour vous divertir.